Cette émission contient des scènes et propos qui peuvent choquer certains de nos téléspectateurs. Cette émission s'adresse donc à un public adolescent et adulte. Seront infidèles au poste ce soir? La pulpeuse Anne-Marie Lozic. La sulfureuse France Castel. L'étalon Jean-François Mercier. Le viril Maxime Martin. La sensuelle Danielle Ouimet. La délicieuse Marie Plour. Et voici Monsieur Sexe en personne, l'obsédé de la télé, le don juan de votre divan, Eric Salvaille, Showtime! Et Anne-Marie, oui. Toi, tu es une sex-symbole au Québec. On peut... Juste en bas de Jean-François. Oui, en bas de Jean-François, bien évidemment. Entendu. Mais en... tiens là, ben, hein? Ça y est, c'est parti! Oui, oui, on va ah là là, je vais rire pendant toute l'émission. Comment tu te sens dans un spécial sexe comme ça ce soir? Ben, j'ai essayé de ne pas mettre trop de décolleté quand même. Ah! Ben, écoute, je suis allée mollo sur le décolleté. Sérieux? Ah oui, c'est mollo ça? Oui. On peut juste, pour être sûr, voir l'autre option pour dire à nous-mêmes? Ça comme ça, moi, là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Marie? Toi, c'est 6 du côté des bleus et 4 du côté des roses. Vous êtes plus vite que le piton. Mais plus que 4, c'est comme ça qu'on célèbre. On célèbre comme ça. Vous célébrez? Comme ça. Check bien comment est-ce qu'on célèbre la victoire finale. J'espère qu'il est solide, ce décor-là. J'adore vos célébrations. Oui. Marie, on te voit. Anne-Marie, toi, tu as été imitée par Bruno Blanchet à La fin du monde est à 7 heures et ensuite, dans N'ajustez pas votre sécheuse aussi à Télé-Québec. Tu as participé à un sketch avec Bruno. Oui. C'est un beau moment. Regarde bien ça. Bonjour, je suis Anne-Marie. Bienvenue aux vidéos du public. J'ai nul autre qu'un invité. Oui, oui, oui. Et il s'agit de la vedette du film L'attaque des hommes grenouilles. Est-ce que c'est difficile, monsieur Grenouille, de tourner un film quand on sait qu'on est le méchant et qu'après, le monde sur la rue, il va nous pointer du doigt, il va dire... Ouh, c'était méchant! Je ne pense pas que les gens savent la différence entre un grenouille et un rajaphone qui est un grenouille. C'est trop drôle! Mais tu es excellente pour parler avec quelque chose de gros dans la bouche. Mais toi, t'as jamais eu peur de rire de toi, Anne-Marie? Non. Faudrait pas, hein? Pour être bon au lit, est-ce qu'il faut être capable de rire de soi, Anne-Marie, selon toi? Ben, faut pas rire de l'autre, parce que là, ça part mal. Mais... ça, on peut garder ça pour après. Mais... oh, wow! Là, c'est top. Oui, mais là, ça va être weird d'un coup que j'apprends que j'embrasse plus que Anne-Marie Lozic. C'est bon. Vous avez donc besoin d'un rouge à lèvres chacun. Je peux pas croire qu'on fait ça à la télévision aujourd'hui. Mais là, ça va pas avec ma couleur. Alors, on va vivre un grand moment. Là. Allez vous installer sur votre tapis avec votre chaudière. Vous avez 45 secondes. C'est parti! Anne-Marie! Ça va très bien! Ça va
Hey! Moi, j'ai pas embrassé la vite, je l'ai frenché solide. J'ai pété mon rouge à lèvres, c'est symbolique de quelque chose, ça, ou... Il y a vraiment jailli partout. Alors, on va aller à la pause. Je compte tout ça et on revient avec le décompte final. L'équipe gagnante ce soir, les Roses! Ouais! 36 à 29! Ouais! Hey, merci beaucoup. Je veux remercier nos fidèles ce soir d'être venus jouer avec nous. Anne-Marie, on peut toujours s'abonner à la chaîne Vanessa TV, dont tu es propriétaire, et l'équivalent anglophone, ça s'en vient, pour mars 2013. Le 1er mars. Le 1er mars, si on veut en savoir plus, c'est le vanessatv.com. Jean-François, tu animes l'émission Un gars le soir, du lundi au jeudi à 22h30 sur V. Pour rembourser mes pocheurs, oui. Merci beaucoup, Jean-François. Spécial sexe, là, qui de mieux qu'un rocker qui transpire la testostérone pour venir chanter? Et en plus, il a composé la chanson parfaite pour notre émission de ce soir, Tendre Fesse. Et si vous n'avez jamais vu le vidéoclip là, qui est ultra sexy, je pense que ça va vous donner des petites idées. Mesdames et messieurs, voici Éric Lapointe! Pour goûter le péché original. Pas de tabou, rien de normal. Dans mon confessionnal. Ben cachant, mais pas vraiment seul. On veut plus
OK. Quel numéro extraordinaire, Éric. Ouais. Il faut... J'en ai manqué un bout. T'en as manqué un bout? Parce que j'avais en arrière de moi. Mais tu pourras regarder l'émission, ouais, ouais, voilà. Parce qu'il y avait des belles choses à voir. Entre autres, France Castel, qui s'est beaucoup démenée pour toi ici. Sur... Oui. C'est... En plus, t'avais une vue sur son décolleté plongeant. Oui, oui, j'étais. J'ai mis Anne-Marie devant moi. Je trouvais que c'était plus payant. Éric, faut remercier aussi Stéphane Dufour qui est là. Et Rick Hughes qui sont avec toi. Et nos musiciens dirigés par Nadine Turbide. Et elles étaient vraiment exceptionnelles, nos danseuses, sous la direction de Maude Saint-Germain. Ouais! C'est des cousines à toi, ça, je pense, ou des ex, ou... Pas encore. Pas encore? OK. Non, mais une chanson de sexe, là, grosse guitare comme ça, puis des filles qui se frottent sur des poteaux, ça, c'est un mercredi soir chez vous, tranquille, à la maison, ça? Si tu le dis. Ça l'a peut-être déjà été, mettons. Comme là, un soir, là, un mercredi soir, comme ça, là, une fois que t'as quitté ici, là, où tu t'en vas où, là? Ah, oh, je m'en vais regarder la TV, je pense. Ah, tu t'en vas regarder la télévision? Ah oui, tu suis ça, destiné, toi, puis tout ça. Je suis un assidu. Mon Dieu, c'est plate, parce que moi, je voulais aller prendre un verre avec toi, Éric. On... Je peux faire une exception. Ah, OK. Bon, Éric est toujours de party. Il n'y a pas de problème. C'est-tu encore à mode, les bars de danseuses? Parce que tu avais tourné ce vidéoclip-là comme dans un bar de danseuses. Es-tu encore à mode? Est-ce que vous vous tenez toujours dans les bars de danseuses? Jean-François, es-tu encore à mode, les bars de danseuses? Je ne sais pas si c'est une mode. Moi, j'ai une loge permanente. Toi, Éric, tu vas-tu encore dans les bars de danseuses? Des fois, pour accompagner des amis. Là. L'amitié, tu sais. Tu trouves-tu que j'ai des bonnes questions ce soir? J'ai mis le même genre que d'habitude. C'est pour ça que je te demandais ça, c'est parce qu'en 1999, ouais, tu te confiais à Jean-René Dufort et tu disais que toi, t'aimais ça quand les journalistes te posaient des questions intelligentes, mais c'est juste que ta définition de questions pertinentes, là, c'était comme pas clair. Regarde ça. Tu m'avais dit... Il y a certains journalistes, comme toi, entre autres, qui posent des questions vraiment pertinentes. Toi, t'es-tu plus du type urinoir ou du type toilette? Je dirais plus du type urinoir, moi. Là, tu fais quoi avec tes piments? En général, je les mange. Strip-tu plus double épaisseur ou... D'abord, c'est doux, c'est soft, ça évite pas trop la ride. T'es-tu plus du style boxer que bobette? Moi, je suis vraiment du type boxer. T'as-tu toujours été comme ça ou... Ça fait quand même une quinzaine d'années là, que je suis converti au boxer. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer? C'est l'influence des amis, de l'entourage, de pression sociale. Est-ce que c'est une de tes paires de boxeurs, c'est vrai? Mais tu vas rire, mais oui, c'est une de mes paires de boxeurs. Mais c'est un peu comme un sac Ziploc, là, on voit ton lunch au travail. Ouais. Il faut rappeler aux gens que le 31 décembre, oui, c'est le party d'Éric Lapointe au Métropolis. Party des fêtes au Métropolis. Avec plein d'invités. Et en plus de ça, si ça vous tente, vous pouvez accompagner Éric Lapointe et sa gang en Jamaïque. Ça se passe du 1er au 8 février. Et c'est quelque chose. Là. Ouais, c'est le fun parce que c'est un concept où il y a un show à tous les soirs. Un soir, il y a Kevin Parent, un soir, il y a Cain, un soir, il y a mon frère. Et un soir, c'est Marjo. Puis à la fin de la semaine, c'est mon show où tous les artistes viennent se regrouper dans mon show. Bien, Éric, si on veut les détails là-dessus, c'est le ericlapointe.com. Merci infiniment, Éric, d'être venu ce soir. On fait une pause et au retour, France Castel chante décolleté jusqu'au nombril.